Bon, et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième jour de notre road trip. On est avec deux abonnés, on va pêcher en flotte tube sur ce petit lac. Et normalement il y a tout carnassier, donc on se met à l'eau, on a fini de se préparer. Je ferme la voiture et on est parti. Allez! C'est prometteur, tout ça c'est prometteur. Ah. Stock à l'estique. Ouais, j'espère qu'ils sont pas aveugles comme ça à la goût. Aveugles? Ouais, ils savent pas viser. Ils sautaient un mètre les. Ils sautaient un mètre à côté du popper, c'est débile. Mais tout le temps! Non, là c'est. Par contre, il y en a de gros, hein. Il y en a qui font le mètre. Là. On change pas une équipe qui gagne. Je suis un peu au stick moi. Genre. Hein? On change un peu. Stick avec teaser, c'est ça, pour faire de la perche? Loupé Alexis, tu l'as, t'es sérieux. Alexis sur les perches, il va nous foutre une branlée. Ouais, au popper. Hop loupé. Poisson. Un petit brochet, je crois. Ouais, une belle perche ou un brochet. Une belle perche. Ouais. On va s'éclater. Elle est belle celle-là. Elle a pris des traces de Chico par contre. Je la relâche maintenant ou je te l'amène? Allez, j'arrive. Normalement on prospecte les bordures. Tranquille, Alexis skip sous les branches, on est un peu à tout. Leur souple et on essaie de trouver ce qui marche le mieux pour brocher, perche. On a un peu trouvé le pattern, on va le toucher un peu à tout, mais les brochets pour l'instant on a raté quelques-uns, mais c'est pas encore ça. Poisson, ça pue la perche. Je sais même pas si je l'ai encore. Si j'ai encore. Une perche par le dos. Ah non, par la gueule. Au crank. Je vais essayer de faire un brochet là, mais. Poisson. Oh, cette clopinette. Oh non. On a à peu près trouvé le pattern, je viens de faire un petit brochet, j'avais plus de batterie. Je suis avec un Easy Shiner blanc, donc leur 4 pouces, avec une tête plombée 6 grammes. Je lance au bord, je laisse légèrement couler et je ramène en linéaire assez doucement. Et en fait, ils sortent des branches, les petits brochets. Pour l'instant, j'ai fait qu'un petit et on en a loupé plusieurs précédemment. Ils sortent des branches et ils chopent le leur. Ils veulent pas monter en surface. Alexis, ça fait. Ça fait 250 mètres facile ou 300 mètres qui fait que du popper dans tous les sens. Il n'en a pas fait monter un seul. Et il passe à ras des branches et tout, donc il ne monte vraiment pas. Pourtant, ils sont dans les branches, du moins les petits. Il faut vraiment, quand on pêche le carnassier, trouver le pattern, changer de technique, etc. Changer de couleur, essayer un peu tout. Jusqu'à trouver la pêche. Et une fois qu'on prend un poisson, il faut continuer un peu avec cette technique. Peut-être changer juste la couleur, changer juste un petit paramètre. Et on n'est pas loin d'avoir le bon résultat, on pêche pas à côté de la plaque quand on prend un poisson. C'est peut-être pas forcément le leurre de la journée, mais on n'est pas loin. Il faut continuer à chercher, on est sur la bonne voie. Donc là déjà j'ai un petit poisson, peut-être qu'il faudrait que je change de coloris. Mais en tout cas, ça a l'air de faire réagir du moins le pattern. Alexis enchaîne les perches lui. Je crois qu'il a
Il doit avoir 30, une bonne trentaine de perches dans sa bouiche. Ceux qui demandent, les perches, on les relâche. C'est pour pas la faire peur au banc. Comme elles sont en banc, si on la relâche, elle va effrayer les autres. Oh, loupé, brochet, il m'a coupé la queue là. Non. Ah, il m'a pas coupé la queue, mais je l'ai vu. Ah, il me l'a défoncé le leurre. Il faisait 50, lui. Il a tapé vraiment sur la queue. Merde. Mince. Oh, il est revenu. Ah, il est revenu. Allez, prends. Je le vois. Non, allez, il est derrière, il est derrière, il est derrière. Ah, il est reparti. Il me le défonce, le leurre. On va passer le paquet de Dizzy Shiner blanc, je le sens venir. Ah, coupé! Je me suis fait couper instant. Je suis en 40, hein. Là, arrache, je me suis fait couper. Eh, je les enchaîne, là. C'est un truc de débile. Bah ouais, je vais être obligé de me mettre en soi, mais coupé net. Coupé, mais vraiment... Tu vois les traces dedans sur le truc et tout. Ah lui, par contre, je l'ai pas fait bouger, hein. Il faisait une soixantaine de centimètres au moins. Putain. Allez, fini de jouer, j'ai monté un bas de ligne en 60 centièmes. Le paquet. Tu l'as loupé? Ah mais ils sont vénères là, mais t'as vu, il faut vraiment trouver le pattern. On a tout testé sauf ça. Et une fois qu'on a testé ça, boum, bam, bim. C'est fou, hein. Poisson. Perche. Ah non, petit brochet. Eh, c'est à ça, hein. Décroché. Et un petit brochet de plus. Ouais, mais ça c'est pas grave. Putain, je viens de prendre deux touches d'affilée. Ouais, blanc là, à la descente il m'a repris. Putain, il a retapé. Déchaussé. Yes, Alexis! C'est joli? À la descente? Ah! Il est plus joli? J'arrive! Alexis a un brochet. Ouais, une petite photo, ce serait bien. Mince. Ouais, du coup il l'a aspiré vachement.
Y a ton leurre là, Alexis. Attends, hop. Vas-y, prends la photo. Allez. Nettoie-le un peu, il saigne vachement, Alexis. Il y a du sang partout de ce côté. Là aussi. Bon, ça arrive, hein. Ouais. Je vais vite le relâcher. Allez. Ça arrive, malheureusement. Ah, descendre. Ouais. Ah, il te l'a découpé, le wannabe. Il ressemble plus à rien, regardez ça, les gens. Le wannabe, il est découpé. Oh, enculé. Il a fait des lambeaux. À la descente comme ça, ça. Paf. Mais moi, c'est ça tout à l'heure. Bah, ils sont au milieu, hein, les gars. Enfin, les jolis, ils sont au milieu en tout cas. Ouais. C'est comme disait Mika. Hein. Lui, il les a pris qu'au milieu, de toute façon, c'est beau. Hein. T'as quoi comme écho, toi? Moi, j'en ai pas, c'est Alexis qui en a un. Il a un Elite 5. Putain! Ça pue le sang, ouais. Ouais, ça va bien, ça. C'est pas mal, ouais, pas mal du tout. Bon, il manque le GPS sur son sondeur, ça qui est dommage. Il y a le side aussi? Ouais. Ça pue le banc de cendre, tout ça. Ou de belles perches peut-être, mais... Oh putain d'écran! Putain, oui, loupé, ouais. Regarde. Oh, mais je l'ai piqué, le pied. C'était gros, hein, par contre. C'était lourd, hein. Je l'ai senti, putain, c'était lourd, hein. Ah putain! Cette déchaussée! Oh, c'est derrière. Pendu. Ouh, par contre, elle l'a bien pris. Elle l'a pas loupé. Allez, repart vite. On va te faire bouffer. Si t'arrives à survivre. Ça arrive d'abîmer des poissons. Putain, j'en ai une. Elle est ridicule. Ah, j'en avais deux. Ah, j'ai pas réussi à en avoir d'autres. Elle est petite. Elle est petite. Allez, décroche-toi. Hop, je pêcherai le brochet après. Pour l'instant, je vais m'amuser sur quelques perches. De faire des doublés, mais elle tape pas sur l'arrière, elle tape sur l'avant. C'est coquine. Elles sont là, elles sont là. Ah, loupé. Elles sont pas venues taper cette fois. Elles étaient derrière, mais elles ont pas tapé. Bizarre. Elles sont folles du popper teaser. Voilà, encore une perche. Ah bah, doublé. Doublé. Ah, elle a une qui
des crochets parfaits. C'est n'importe quoi, ces perches. Allez, on entre dans le magasin Manu Centre à Brive. On va acheter 2-3 trucs. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Bah ouais, attends. Salut. Ça va? Salut. Voilà, donc les deux youtubeurs. Ça roule. La chaîne ouais. Le poisson et le pêcheur. Ça a donné un petit peu les gars. On a un fait peu. Un peu. Il fait quoi? 50 perches Il déroule. Hein. Ouais, deux au total, on fait 5 brochets. Ouais, ouais, après on. Deux corrects et ouais. Des petits. Des beaux ou des perches. 1,60 le plus gros à peu près. Mais ouais. On pense qu'il y a après. Du cendre. Ouais, il doit y en avoir, parce que ouais, on a pris des touches là, localisées au même endroit, tac tac tac, coup sur coup, des bonnes cartouches. C'était pas de la perche, ça laissait des traces dedans, mais c'était pas du brochet. Ça chaud d'une sortie de silure à Goldfish. C'est lui, monsieur Silurman. Gladman. Gladman. Ça y est, tu le réserves? Ouais, mais non, mais je sais pas. Bordel. Qu'est-ce que tu voulais au fait tu cherchais, tu m'as dit. Du fluorocarbone en 18. Toi ouais. Allez, ça va bien. Tu voulais des... Comment ça s'appelle déjà celui-là. Ouais, très bien. Soft. Ouais, ouais, pour la truite. Ouais, ouais. J'ai fini la bobine, nickel. Ouais, ouais. Et puis... Et vous les avez fait à quoi? Surface ou un peu tout? Un peu tout. Perche, c'était... Enfin, ce qui cartouchait le mieux, c'était un peu au crank, un peu à tout, mais... Là où Alexis l'a tout levé, c'était popper avec teaser devant. D'accord. Sur le teaser devant, mais il bat. Mais... Ouais, popper et teaser, tu vois, je connaissais pas. Il faut que je fasse. Ah, ça fait la différence. Fond à Ajax. Ça ouais. Fait vraiment la différence. Ça envoie. Putain. Il est monté deux par deux. Ah ouais, deux par deux. Et puis, si, bah, j'en ai pris une OB Switcher, moi, que je t'ai pris la semaine ouais. Dernière. Impeccable. Belle ou c'était une réelle? Celle-là était moins grosse, mais après la plus belle que j'ai pris là, je l'ai faite avec le Sakura là, 1m50. Ouais. Impeccable. T'as essayé la petite écrevisse ou pas? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas essayé. Après les brochets pour les faire décoller, on a trouvé. J'ai pris une coupe moi. À la descente, coupée, net. Ah oui. Je venais de l'en louper 2-3 ras des branches, sado, on lançait à bord avec peut-être plombé 6 grammes, 4 ouais, pouces on était, grammes, ouais, 4 tous les coloris prenaient, à la descente, des petits animes, on les faisait sortir des branches directement. Et on a pris 2-3 touches comme ça. D'accord, et coupé sur du 40 centimes. À la touche. Quelque chose qui arrive. C'est ce qu'il faut. Hein. Hein? Les 5 pouces sont là. Hein. Il y a les Z-Shiner en 5 pouces. Sinon, t'as les Vibro en 5 pouces. Non, oh, les gars, les carpes. C'est des vies faciles, ça. Ils ont les tétés chers ou pas? Les gros là? Ce serait cool, les gros. Ah, il y a les promos là. Ils ont plein de trucs ici. C'est ça peut-être. Quoi? Les boîtes de verre qui vous avez mis de côté. Attends, mais je vais en prendre une moi. Deux, mais... Tout ça? Ouais. Combien toi? Je sais pas, une. Ça passe bah. Vraiment vite. Hein. Bah il y a... Ouais, ça... mais moi j'en ai trois, après on va tous partager tout. Ouais. De toute façon, j'y retournerai moi je pense dans la semaine. Hein. Tu vas en prendre une du coup? Ouais, mais si tu en une ou deux. Allez, vas-y. On va à allez. Suis-moi. Là on va pêcher ouais. Le bass en waki au vermin véritable. Tu doubles. Tu doubles, genre tu le plies en deux le verre et tu le piques debout. Ouais enfin tu le passes une première fois, un tiers, deux tiers tu fais. Attends. Un tiers, deux tiers. Je vais le montrer. Allez Alexis, ouais. Premier. Où ça? Il fait dessous mon gars. Tu sais, je te l'ai mis dans le courant là. Là, là. Le verre là. Dessous, il a direct tapé. Ah, pas une deuxième, je suppose.
Ouais, t'arrives. Yes, ouais, j'ai les petits bass. Tu m'étonnes. Tu t'avais dit qu'il était là. Bah oui, tu l'as fait direct. Hein. Avec ça, on a fait. Il garde la pierre. Attention, je prends la photo. Ça, mais on y voit rien avec ton téléphone. Ah oui. Ah, joli. Il a son poste. Ah oui, voilà. Il y a tous les pierres là. Et dernière, ça fait une belle poutre. Et dans les branches, j'ai pas pu la voir. C'est gros, ah bon, on va le mesurer. J'ai pas le mètre, merde. Je l'ai moi. À peu près là. On peut voir ici, là, au trait là. Ouais, au trait là. Là, au trait là. À peu près. On le mesurera après, c'est pas grave. Attention, ma gagne. Oh, pardon, vous, excusez-moi. C'est pas devant. Non, c'est pas le gros, il est joli. C'est joli quand même. Ouais. Attends, moi j'ai pas eu une touche. C'est la 64. Je sais même plus ce que c'est la taille, mais ouais, c'est des bons hameçons. Des hameçons à quart. Pardon, merde, je t'ai pas mis un petit canne là dans la gueule. On a le fil aussi. Non. Ton fil. Allez, prends. Loupé. Ouais. Ouais, loupé. J'en ai. Loupé. Les basses, ils vont se battre pour le choper. Oh, oh, j'ai. Il est sorti les cailloux. Il est noir lui. Ça a dû bien progresser ici parce que il y en avait, je crois. Ah! Ils se débattent! Allez, viens par là, toi. Voilà. Là, je pourrais décrocher tranquillement. Tout simple, mais c'est vrai que ça marche vachement bien loin. Allez! Ils s'arrêtent jamais ces basses, hein. Ils s'arrêtent jamais de bouger. Moi, les gros basses, tu les attrapes, ils bougent plus. Eux, dans tous les sens, hein.